Salut à toutes et à tous les amis, c'est Kero, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mon Let's Play sur le jeu Pokémon Épée et c'est le 17ème, 17ème, oui 17ème épisode déjà, oui ça avance les amis. Et donc et bah écoutez, je vous retrouve après avoir eu le troisième badge, et oui le badge de feu dans cette arène de Motorby après avoir affronté le champion Kabu, le champion de type feu, voilà. Et donc troisième badge déjà les amis, au bout de 16 épisodes. Là on est au 17ème, donc ouais, je sais pas si j'avance vite, si j'avance lentement, il faudra que je voie ça au nombre d'épisodes au final, dès qu'on arrivera à la fin de ce let's play, parce que oui, après je vais enchaîner sur le DLC, hein, l'île solitaire de l'armure, qui est sorti le 17 juin, donc après avoir terminé cette histoire principale, on enchaînera sur le premier DLC, puis bah, dès que le deuxième DLC sortira en fin d'année, on retournera sur ce let's play, donc ouais, il est loin d'être terminé, ça va être un petit peu notre let's play fil rouge, hein, qu'on aura tout au long de cette année, et peut-être même que ça va déborder sur l'année prochaine, on verra les amis. Et donc, bah écoutez, donc ouais, j'avais eu ce troisième badge. On avait aussi, au début d'épisode, on était dans les terres sauvages. Désolé, ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas retouché la manette. Donc ouais, on était dans les terres sauvages. On avait capturé des Pokémon, on avait fait des combats Dynamax. Et j'avais oublié, je vous avais dit, de faire le truc de rallye là, je sais pas quoi là, avec le vélo. Donc on verra peut-être à faire ça durant cet épisode. Donc ouais, en tout cas, on doit retourner dans les terres sauvages pour aller à Kikanam, qui est notre prochaine destination. Donc on va voir ça au niveau de la carte. Alors Kikanam, c'est où? C'est où par rapport à la carte? C'est là? Non, là c'est Skiford. C'est où Kikanam? Kikanam? Ah bah c'est là. C'est là les amis. Donc ouais, on doit repasser par les terres sauvages et donc aller jusqu'ici. D'accord. Ok, bah écoutez, on verra ça. On verra ça les amis. Donc bah écoutez, installez-vous bien, préparez-vous de quoi boire, de quoi manger. Et on est parti pour cet épisode, les amis. On va voir ce qui nous attend. On va bien voir. Ah, Nabil qui nous attend. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Ah, direct, on y va comme ça. C'est bon, Kero, on y va? Oh, mais attends. Hein? Quoi? Ah, il est. Qu'est-ce qu'il veut encore, lui? Waouh! Vous êtes venu exprès pour nous dire au revoir, vous un champion? C'est parce que vous savez que je serai le prochain maître, avoué. Oh mais ça, tu te la pètes trop, Nabil, ça, tu connais le karma, en fait. Tu sais ce que c'est le karma? Bonjour bonjour. Beaucoup de challengers, pardon, ne parviennent pas à obtenir les trois premiers badges et abandonnent le défi des arènes. Je me fais donc un devoir de saluer le départ de ceux qui y parviennent. Et je ne suis pas seul. Oh, ceux de planter haut. Donna, juste à temps, ouvre juste à temps. Heureusement que les taxis volants sont là. Kero, Nabil, bravo. Vous avez réussi à vaincre Kabu. Merci. Peu de challengers y parviennent. On est vraiment très fiers de vous. C'est pour ça qu'on est venu vous saluer avant votre départ pour les terres sauvages. C'est sympa, c'est gentil. Pour fêter cela, j'ai préparé un petit chant d'encouragement. Oh là, j'ai peur. J'ai peur. On est champion, on est champion, on est champion. Vous les challengers, rien ne vous fait peur. Continuez de nous faire rêver. Voilà. C'est malaisant. Les champions d'arène qui vous attendent sont tous redoutables, certes. Mais ne laissez pas cela vous décourager. Pour autant, ayez foi en vous et en votre équipe. Merci Monsieur Kabu et Percy et Donna aussi. Vous en faites pas pour nous, on ira jusqu'au bout. Après tout, on doit s'affronter en finale. Ouais, mais calme-toi un petit peu. Kikanam, nous voilà en route de Kero. Let's go. Enfin, non, j'aimerais bien aller. Est-ce qu'on y va? Tiens, on est parti déjà. Mais attendez, moi, je voulais voir des choses avant dans le centre Pokémon. Je voulais pas partir tout de suite, en fait. Oh, il neige. Les terres sauvages, comment on se retrouve? Enfin ouais, moi c'était juste, j'étais juste déjà revenu en fait avant. Je vous préviens, je suis plus même. Ok. Regarde Kero, Kikanam c'est par là. Ok, donc il nous montre la route. C'est vrai qu'on n'avait pas été par là en fait, c'est vrai. En vrai, on pourrait foncer direct là-bas. Mais avec notre nouveau badge, on peut capturer des Pokémon bien plus costauds qu'avant. C'est vrai aussi. Perso, je pense qu'on devrait pas se priver. On va capturer des Pokémon trop balèzes, notre histoire continue. Vous êtes... Oh, le retour de Travis. Vous êtes toujours aussi niais à ce que je vois. Désolé de doucher vos espoirs, mais le défi des arènes, vous pouvez faire une croix dessus.
Le maître doit vraiment être complètement crétin pour recommander de tels minables. Mon pauvre Nabil, tu es incapable de lancer une Pokéball correctement, c'est pitoyable. Tu sais même pas de quoi tu parles, je lance les Pokéball comme un pro. Et te moque pas de mon frangin, c'est le meilleur maître du monde. Qu'il est pénible. Bien, puisque tu ne veux pas comprendre, que dirais-tu d'un petit combat? On va faire un combat double? Tu verras tout de suite l'ampleur du fossé qui nous sépare. Ou ils vont juste s'affronter tous les deux. Arrête un peu de te la jouer. Je sais que dans la mine, tu t'es pris une raclée par Kero. Tiens, bouffe. Et niveau combat Pokémon, on est au coude à coude, moi et Kero. Ouais, si tu le dis, j'étais quand même pas mal défoncé les deux fois qu'on s'est affronté. Enfin, deux ou trois fois on l'a affronté, lui, je sais plus. Donc je vais te laminer, c'est QFD. Je trouve que tu parles beaucoup des autres, que ce soit Kero ou du match. Ça c'est vrai. Il n'a pas tort. Serait-ce parce qu'au fond, tu es conscient de ta propre médé... Ouh, ça fait mal. Ouh, ça fait mal. Il se casse. Je vais l'éclater, il va rien comprendre. Il va voir qui c'est le quai médiocre. Ciao Kero, on se recapte à Kikunam. Ah là, ces deux-là. Ils se la pètent un petit peu trop, les deux, hein, quand même. Hein, faut le dire. Il faut le dire. Bah, attends, j'aimerais bien retourner. On peut retourner ou pas? Ou ça va être bloqué? Ils vont nous dire non, il faut que t'ailles quand même. Il faut que t'ailles directement au... Ah non, j'ai pas l'impression. Ok. Ok, bon. J'ai pas mal de choses à faire avant d'y aller, les amis. Donc on va faire ça. J'ai pas mal de choses à voir avant. Déjà. On va. Allô, est-ce que nos Pokémon sont soignés, je pense? On va voir. Oui, c'est bon. Donc ça, on n'aura pas besoin à faire. Mais on va déjà aller se rendre dans le centre Pokémon, juste ici. Pour aller voir au niveau des missions hein, dans le PC. Voir ce que ça a donné au niveau des Pokémon que j'avais envoyé. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la loterie, on va faire ça vite fait aussi. Voir si on a gagné quelque chose ou pas. Oui, vas-y. Hop. On tire un numéro. Ok. Alors, est-ce que c'est bon? Non, pas de chance. On n'a jamais de chance, de toute façon. On n'a jamais de chance. Voir les missions, vas-y. Oh. Une nouvelle mission. J'ai gagné un badge. Ah oui, j'ai gagné le par rapport au badge feu, je crois c'est ça. De nouvelles missions sont disponibles. Donc mission accomplie, parfait. Alors qu'est-ce que vous m'avez rapporté les petits Pokémon? C'est vrai qu'on avait envoyé Seribou et l'autre là. Ok. Ok. Alors. Ils sont revenus de mission. Ok, ils ont monté de niveau. Continuez vos efforts. Sauvez 200 Poké. Ok, d'accord. Et vous? Et vous. Ok, donc là, c'était les Pokémon insectes. Excellent travail. Ok. Toujours pas d'évolution, j'ai l'impression. Statitique a quelque chose à vous donner. 300 Poké-dollars. C'est pas ouf. Doit être à l'aise avec le feu. Spécialisé en chaleur. Insecte, encore. Franchement, je vais en faire qu'une seule parce que bon, on va pas tous les faire. Hein. On va voir où ils demandent le plus de Pokémon, donc soit ça, soit ça. Ça, c'est quoi? Des filets de pied, des Pokémon insectes, et ça de type normal. En mode type normal, je crois qu'on en a pas mal, hein. Il me semble. Il me semble qu'on en a pas mal des types normales. Ça, c'est vol, mais c'est type normal, ça, non? Je sais pas. Simularbre, lui c'est de type proche. Balbuto, lui je sais plus. Goupix, il est de type feu. Non, juste feu lui. J'aimerais bien aller à l'autre boîte, voilà. Magikarp c'est eau. Ou sinon je vais envoyer des types insectes, j'en ai plein des types insectes je crois, il me semble. Ouais, insectes ça devrait faire le taf. On va plutôt envoyer les... On va aller dans la mission où ils recherchent des Pokémon insectes, voilà. Je pense que ça sera mieux. Alors que j'ai mon nez, désolé. C'est pas très beau à voir, je sais, à la cam. Mais ça me gratte. Alors, insectes. Insectes j'en ai, hein. J'en ai. J'en ai pas 36 000 aussi. Ça, non, c'est pas insecte.
écrin pincement. Ah, j'en ai pas 36 000 des insectes aussi. Ça grippate. Ça, on est d'accord, c'est feu insecte. Donc ouais, on va l'envoyer. Ça, le nain, ça aussi. Funicien, non. Et puis ces deux-là. Bon, ça fait pas 5, mais bon. Est-ce que si tu peux envoyer un Pokémon random, genre par exemple lui, je sais pas. Ça, Balbuto, c'est quoi déjà, je sais plus. Pourtant, on va envoyer lui. Tant pis. Tant pis si c'est pas un insecte. Envoyer, vas-y. Très longue durée. Voilà, on en fait qu'une seule, les amis, parce que bon, on va pas passer 36 000 ans là-dessus sur ces missions. C'est cool hein, de temps en temps d'envoyer, mais bon, vous voyez que ça rapporte des trucs, mais pas forcément ouf quoi, ce que ça rapporte. Vu la longue durée en plus qu'on les met dessus. Ok, donc ça c'est fait. Ah oui, ici je voulais voir ce que vous vendez du coup. Vu que j'ai eu un nouveau badge. Non, ça c'est les. Ok, toi on s'en fout. Non, non, on s'en fout de toi. Je veux voir l'autre, lui. Voilà, mission. Ok, vous avez des nouveaux produits. Vas-y, qu'est-ce que tu vends? Donc on va lui racheter des super. Qu'est-ce qu'il vend de plus? En fait, je vois pas ce qu'il y a de plus, en fait. Faudrait que je compare avec... après le deuxième badge, ce que j'avais eu en plus. Et là, par rapport à celui-ci. Bah écoute, on va juste apprendre des super. Hein. Alors, pour juste prendre des super, on va en prendre 8. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on reprend des super? Bon, on va en reprendre 7. Voilà. Et on est bon, les amis, je pense, après. Ouais, c'est bon. Peut-être reprendre des poké-poupées aussi. Non, 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 c'est bon. C'est bon. Ah oui, mais attendez, j'ai des choses à te vendre, c'est vrai. J'ai des choses à te vendre, tout ça là, on peut vendre tout ça. Voilà, on vend ça. Les petits champis, vas-y, on vend. Et le champi suave, voilà. 82 000 les amis, 82 000. On est pas mal. Ah oui, c'est vrai qu'on avait cette CT. On verra peut-être à la prendre, je sais pas. Ok, ici on avait quoi? Ok. Donc ça c'est pour la cuisine, ouais. Yep. Alors, faites voir. Feu follet. Kirlia peut la prendre, Pitrouille aussi. Faites voir Kirlia, qu'est-ce qu'elle a comme attaque? Qu'est-ce que t'as comme attaque toi? Peut-être à la place de voix angeleuse, feu follet. Je sais pas. Parce qu'on a déjà, une attaque de type fée. Au moins, tu vois, vous voyez, on varie un petit peu les. Ouais, je pense qu'on va faire ça à la place de voix angeleuse, vas-y. Vas-y. Comme ça, au moins, elle aura une attaque de type feu. La petite Kirlia, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, ça c'est bon. Bah écoutez, j'ai plus d'autres choses à voir, je crois. Je crois qu'on est bon, les amis. Bah écoutez, let's go. Let's go. Direction les terres sauvages. On va voir ce qui nous attend. Allez, c'est parti. On va prendre le vélo. Ah, c'est vrai qu'on a la tenue bleue. Et d'ailleurs, avant de partir dans la direction de Kokanen, je vais aller voir cette histoire de rallye là. Je vais aller voir cette histoire. Donc c'était par là, hein, je crois. Ah ouais, c'était par là. Alors faites voir. On peut pas aller plus vite avec ce truc. Ah si, en appuyant sur B, ça va plus vite. Alors, attendez, il y a des trucs à récupérer ici avant. Vas-y. Hop, on prend ça. Donc c'était là-bas, hein, au niveau des arbres. Vas-y, va plus vite. Yes. Donc c'était là. C'était ici. Alors, il est où le gars? Où es-tu? Il était ici, non? Je sais plus. À moins qu'il soit parti. Il est où? Où es-tu, mon ami? Attendez, il y a quelque chose ici.
pomme juteuse encore. Il est où? Il s'est barré? Il était pas si loin. Non? Il était où? Ah, il est là. Il est là, il est là. Ok. Ah, attends, t'as un truc derrière. Petit champi, ok. Alors, fais voir, c'est quoi ton histoire de... Non, je veux pas voir la boutique Watt. Je veux voir ton histoire de rallye. Ça, c'est quoi? Jusqu'où veux-tu aller? Sentier de la gare? La coupe note. Bah, je sais pas, sentier de la gare, ouais. 50 secondes. Atteins la ligne d'arrivée tout en attrapant un maximum de gros ballons. What? Quoi? Si. Bah non. Non, non. Oh. Ok. Ah, c'est une sorte de... Je vais dire de Mario Kart, mais c'est presque ça, hein. Ok. On peut pas aller plus vite. Ah, je pense que dès qu'on capture les ballons, ça va plus vite. Mais je peux pas appuyer sur la touche pour aller plus vite. Ok, ok. Il a dit 50 secondes, hein. Je crois que c'est ça. Passe par là. J'ai pas envie de me taper des pokés. Attention. Attention, attention. Ouh, c'est... bah non, 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 je veux pas... C'est où la suite? Je me suis perdu. C'est où? Ah, c'était là-bas, non. Mince. Mince, 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 je me suis bourré de chemin. On a perdu. Ouf. Ouais, mais on a perdu tellement de temps. Score... Ok, ça fait quoi de faire ça, en fait? Félicitations. Oh, mais c'est la première fois que tu réussis. Tiens, pour fêter ça. Oh! On reçoit des CT? Enfin, je pense pas que c'est à chaque fois, mais on reçoit des trucs. Cage éclair, ça c'est pas mal. Hein. Ça peut être pas mal, cage éclair. Faites voir. Ah, bah en fait, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, il y a encore que Kyria qui peut la prendre. Ouais, donc on attendra. On attendra. Alors attends. Vas-y, ouais. Vas-y, claque, machin. Vas-y. On va essayer de pas se louper, les amis. Franchement, c'est intéressant si on peut... Non. Si on peut avoir des trucs et tout. En vrai, faut pas qu'on se trompe de chemin, les amis. C'est où la suite? C'est là. Ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Ok. Bon, je sais pas si on arrivera à Kikenam durant cet épisode, les amis. Hein. Là, je prends mon temps. C'est là? Yes! La situation, on a réussi. Ok. Tu as passé, félicitations. Tu as battu... D'accord, vous avez tenu... Ah, on peut recevoir des watts aussi. Ok, bah écoutez, ouais, c'est intéressant, on verra faire ça assez souvent, enfin souvent, dès qu'on reviendra dans les terres sauvages et tout. Donc, ouais, c'est intéressant, les amis. Toi, je sais pas si on peut t'affronter, vu que t'es en plein milieu de la route, on va éviter. Ok, bah écoutez, direction Kikenam, les amis. Direction Kikenam. Mais avant, il y a des choses là-bas... Oh! Attention. Il y a des choses aussi là-bas. Il y a un truc là. Gros champi, parfait. Est-ce qu'on a d'autres Pokémon? Oh! C'est quoi ça? Ah oui, c'est un Floresia ou je sais pas, un truc... je sais plus comment ça s'appelle ça. En tout cas, c'est la première génération. Okay. Bon, je sais pas si on va capturer. J'essaie de voir un petit peu. Toi t'es quoi? T'es qui, toi? Tu m'intrigues, toi, t'es qui? T'es quoi, toi? Moufouette. C'est quoi, ça? T'es qui, toi? Putain, désolé. Mon nez qui me gratte depuis tout à l'heure, là. Fait pistolet à eau, je sais pas. Ouais. Ah, t'es poison, en tout cas. Et tu vas m'empoisonner. C'est super. Non. Non, pas poison.
Vas-y. On teste. On va utiliser la super. Oh, poison. Quelle horreur ce truc. Quelle horreur. Vas-y. Est-ce que ça a passé? Yes. Alors toi déjà t'es type poison, mais t'es poison quoi? Ou juste poison peut-être, je sais pas. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Oh. Est-ce qu'on va avoir une évo? Je pense pas. Je te Pokédex. Poison ténèbre. Ouais. Mais t'es pas spécialement beau quoi. Enfin je sais pas, t'es pas... Ouais. Non, prends pas. On ne te prend pas mon ami. Là-bas. Toi. Attends. Y'a que ça ici, ouais. Non mais on va peut-être pas tous les capturer les amis. On va continuer. Vas-y, il y a des choses ici. On prend. Oh. Oh, toi, t'es... Toi, tu serais pas l'évolution de Bleuzeil, toi, par hasard, je sais pas. Enfin, j'espère, hein, parce qu'il est trop stylé, ce Pokémon. On va pas l'affronter, hein, parce qu'il me paraît... voilà, quoi. On va juste voir ce qu'il y a ici. Ça, c'est grand, les terres sauvages. Hein. C'est immense. Hein. Oh, il y a des choses, hein. Trop champi. Vas-y, on récupère des watts. Ça, c'est... C'est quoi, ça? Ouais, ça fait peur. J'ai pas spécialement envie de... Ok, il y a des machocs. On a... Oh! Des fantominus, je crois que ça s'appelle comme ça. Des ectoplasmas, je sais plus. Il y a des choses là-bas aussi. Oh, mais à 36 000... Regardez tous les Pokémon qu'il y a ici. Ah, il y a une CT. Piétisol. Oh, pas mal. Pas mal, pas... Bon, je sais que c'est pas là qu'il faut que j'aille, les amis, mais on récupère des choses, écoutez. On va pas se priver, hein. Alors, c'est de type sol. Il y a Torgamore qui peut la prendre. Alors. Qu'est-ce qu'on peut lui enlever? Ça fait 60. Oh, ça fait 70, quand même. Plus... On pourrait lui enlever le morsure, mais ça peut apeurer l'ennemi, ça. Ah. Ou bien tombe roche aussi. Ouais mais non. Non. On verra plus tard, écoutez les amis. On verra plus tard. Oui d'ailleurs, faut que je soigne le petit Torgamore là. C'est quoi déjà pour soigner le poison? J'ai pas un truc pour soigner le poison? Ah mince. Mince. Ça, toute la... Ouais, il y a un total soin, mais... Faut claquer un total soin juste pour ça, là. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Non, bah écoutez... Tant pis, on laisse pour l'instant comme ça. Est-ce qu'on a des choses? On a des fantominus. Dans l'eau, on est d'accord qu'on peut pas y aller, hein. Attendez. Non, on peut pas y aller. Enfin, je pense qu'il... Je pense qu'il y aura un Pokémon qui pourra nous aider à aller là-bas un moment. Enfin, je crois. Hein. J'espère. Ça, on va éviter. Près des arbres, des fois, on a des choses. Là, forcément, on n'a rien. Ok. Oh, là, j'ai vu un truc briller. J'ai peut-être rêvé. J'ai rêvé, alors. Je pensais avoir vu un truc briller. Non. Toi. Toi, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, ouais, c'est pour le... C'est pour le rallye et tout. Ok. Oh, il y a quelqu'un, là. Attendez. Bonjour. J'ai fait une super belle prise. Je suis trop content que je te l'échange contre 100 watts. Deal. C'est quoi ta super belle prise? J'ai peur. Bah, écoute, on va faire, hein. Cool, voilà pour toi. 3 perles. Ouais, ça peut se vendre. Ça peut se vendre, donc, ouais... Ouais, on prend. Oh, Léviator. On peut pas te combattre, hein. Là, en tout cas, on a peut-être un Pokémon, peut-être un Magikarp, donc on... Ouais. Oh, des Macogneurs. C'est des Macogneurs ou des Machoppeurs, ça, je sais pas. Je sais jamais. Ok. Bah, écoutez, on a fait un petit tour. Ok.
On a fait un petit tour, hein, les amis. Oh, il y a quelque chose, hein. Vas-y, petit champi. Ah, mais on est obligé de repasser... Ah, on est obligé de refaire le tour. Attendez, non. Non, on peut passer par là, quand même. Attendez. Oui, on peut passer par là. Vas-y, voilà. On prend. Ouais, donc je regarde plus forcément ce qu'il y a comme Pokémon, hein. Oh, toi. Tu veux te rendre à Motorby? Dans ce cas, grimpe cette colline. Non, mais c'est bon. Non, c'est bon, je l'ai dit. Pas besoin, je suis déjà allé à Motorby. Oula. Oh. Attention. Y'a pas un truc, là? Non, des fois, j'ai l'impression que ça brille, mais non. Ok, bah écoutez, on a fait un petit tour. C'est parfait. Vas-y, prends. Vas-y, avance. Oh, attention. Attention. C'est quoi ce bruit? C'est vous? Ouais, peut-être. Là-bas, on a un truc Dynamax, mais bon... Ça fait loin, quoi. Donc ouais, allez, cette fois-ci, on est vraiment parti, les amis. On aura fait un petit tour. Ça aurait été cool. Mais là, cette fois-ci, on est vraiment parti. Puis on va pas tarder à se laisser, hein. Déjà, ça passe vite. Toi, on t'avait parlé, toi, ou pas? On trouve des choses incroyables. Facette 1. Bah, c'est bon, je pense que je peux passer. Ouais. Ok. Donc, je pense que c'est là-bas qui connaît. Ça fait... Oh, un ronflex! Wow! Direct comme ça et tout. Mais je pense que ces Pokémon-là, ils sont trop haut niveau, hein, il me semble. Vas-y, secoue. On va secouer qu'une seule fois pour pas qu'on ait de... Ok, parfait. Arrête. On ramasse. Faudrait qu'on repense à faire du Poké Camping aussi. Faudra qu'on y pense. On a un truc ici. Oh, là j'ai vu un truc briller. Voilà. Là, me dites pas que... Pokéball. Ok. On prend tout ça. Voilà. Et la musique qui s'est arrêtée. Est-ce que c'est normal? Poké d'arbre rappel, bien. Et on a... Oh, attendez. Ça, c'est quoi ça? Vous êtes quoi? Ah, mais non. Un bleuzeil. Mais non, mais c'était pas toi que je voulais à la base. Il y avait un autre Pokémon derrière. Il y avait un autre Pokémon. Toi, je t'ai déjà, bleuzeil. Va-t'en fuir. Vas-y. Il y en avait... Voilà, vous. Vous. Oh. Un rapion. Bon, ça, c'est insecte, déjà. Ça, c'est sûr. Fais morsure, vas-y. Ouais. Attention, piqûre. Hein. Ah, en plus, c'est poison. Ah, ça va être pénalisant, ça. Ça va être pénalisant. Vas-y. Parfait. Yes. Attention, poison. On va peut-être le perdre, hein, Torgamore. Mais bon. Vas-y, capture-moi ça. Parfait. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et ça monte. Toxizap niveau 28. Est-ce qu'il va peut-être évoluer? Eh non, toujours pas. À mon avis, ça va peut-être aux alentours des niveaux 30, je pense. Poison insecte, ouais, mais non. Tu ne m'intéresses pas! Va-t'en. Ok. On a des choses ici, mais on peut pas y aller, malheureusement. Ok, on a qu'on a à vous. Est-ce qu'on a des choses ici? Oh, on a quelqu'un. Alors attends, il y a un truc là. Un rappel. On m'a encore des baies, mais bon. Non. Enfin. Super forte, c'est quoi? Parce que si t'es niveau 50-60, non en fait. En plus j'ai Torgamore qui est poison, donc non. On verra pour... on verra ces dresseurs-là, enfin si je me souviens, ça m'étonnerait, mais... On verra peut-être un jour à les affronter, si on repasse par là.
On verra, les amis. Ouais, j'ai peur de les affronter, qu'ils soient, je sais pas à quel niveau, parce qu'elle dit super forte. Donc, j'ai peur que ça soit trop haut pour moi. C'est quoi ça? Oh, c'est dégueulasse. Il n'y a pas de musique ici. C'est perturbant. Oh, toi, dis-moi pas que t'es au niveau, toi. Allez, on va voir. Rubombelle, t'avais déjà affronté toi ou pas? T'es niveau combien? Ah oui. Bah bon, on va utiliser une Poképoupée, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé Poképoupée. C'est où? C'est où déjà? C'est où? Ah là, voilà, vas-y. Voilà. Donc ouais, c'est ça, les Pokémon qui sont sur la route comme ça, il vaut mieux les éviter pour le moment. Ils sont trop forts pour moi. Et on a des Pokémon encore ici. Toi, t'es quoi? C'est une tortue, ça? Ouais. Chartor, t'es quoi, toi? T'es quoi, mon ami? Je sais pas du tout. Sécheresse de Chartor. Ah, t'es peut-être type feu, du coup. Et peut-être type feu. Bah du coup on va faire directement pistolet à eau en espérant que ça te bute pas. Carrément pas. C'est super efficace, oui, bah oui. Super efficace, oui. Ça lui enlevait à peine. Enfin, ça lui enlevait un petit peu, mais bon, c'est pas ouf. Et on va crever bientôt. C'est génial. C'est génial. Oh, le relou. Le relou. Le relou. Et je vais mourir. Je vais mourir. Allez, vas-y. Fais-lui un petit peu plus mal, s'il te plaît. Non, toujours pas. Et on va mourir. Avec le poison, on m'a dit. On va mourir. Bon, tant pis, si on perd, on a des rappels, hein, les amis. Purement, on aura plus de poison. Mais... Ouais. Pas ouf, hein. Adieu Torgamore. Adieu Torgamore. Donc je pense que Kikanam on aura le prochain badge, mais je sais pas quel type ça va être. Donc je sais pas quel Pokémon mettront en premier. On va envoyer vas-y Bleuzeil. Vas-y Bleuzeil. Je pense que c'est lui qui va évoluer à le gros oiseau là. J'espère. Picor. C'est quoi ce Pokémon relou? Ah bah oui, forcément. Ok, ça s'affaiblit, parfait. Et il pleut. Maintenant il pleut. Vas-y, Picor. Allez, c'est le moment. Me le bute pas. Ça passe. Non, je veux capturer, s'il vous plaît. Voilà, Super Ball. Allez, capture-moi cette horreur, là. Et ensuite, on se laissera là, les amis. Pardon. T'es très relou, toi. Je disais donc, s'il te plaît. Voilà, merci. On va se laisser là, les amis. Voilà. Mais avant, on va voir quel type il est, ce Storer là. Qui allait monter au niveau 26, parfait. Ah, il est juste feu. Ok, bah, tu dégages. Je veux pas de toi. Je veux pas de toi. Voilà. Alors, vous savez ce qu'on va faire, les amis? Oula, vu qu'il y a un Pokémon qui me fonce dessus, là. On va retourner tranquillement à Motorby. Et la prochaine fois, je vous retrouverai directement ici dans les Terres Sauvages pour continuer notre route vers Kikenam. Voilà, je pense que c'est le mieux à faire. On va se soigner. Et on va se laisser là, les amis. Alors, s'il te plaît, soigne-moi. Hop. Vas-y, hop. Et puis bah écoutez, j'espère que cet épisode
vous aura plu. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les tournages d'avance. Je pense que c'est plutôt pas mal, les amis. Puis je verrai dans la semaine encore enregistrer 2-3 par là. Ok, parfait. On va juste se mettre devant. Voilà, et on va faire une petite sauvegarde aussi. Comme ça, vous verrez en même temps à quelle date j'enregistre. Et voilà, vous voyez que c'est le 22 juin. Et oui, je prends de l'avance, les amis, et oui. Bref, et ben écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, à activer la cloche, voilà, pour être notifié quand une nouvelle vidéo sort. Je sais que je me répète à chaque fois, mais bon, c'est important, voilà, parce que si vous voulez être averti quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne, bah, vaut mieux activer la petite cloche, la petite notification, bah, sinon vous risquez de ne pas être au courant quand un nouvel épisode sort, voilà. Et puis, ben, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur mon Twitter où tout est expliqué au niveau de la fibre, au niveau des vidéos. Enfin voilà, je vous explique plein de choses sur mon Twitter, donc le lien est dans la description. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, les amis. C'était Kero, portez-vous bien. Ciao, ciao!